Alors, bonjour tout le monde, un petit tuto, modèle BM E46, que ce soit n'importe quel modèle, et surtout c'est dans les 330. Il y en a plein qui disent que, ouais, problème de calculateur, ils ont le problème. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas le problème du calculateur, c'est la clé, en fait. Et quand tu mets le diag, ça te met anti-démarrage. En fait, ils sont fragiles, les clés. Et une fois que tu les fais tomber et touches à l'eau, elles démarrent plus. Des fois, tu tapes, elles démarrent. Mais au bout d'un moment, ça marche plus, ça fonctionne plus. Il faut changer la clé ou changer le calculateur. Et par contre, si on a une double, bah regardez, elle démarre tout de suite. Pourquoi ils disent c'est le problème du calculateur? Parce que la clé, regardez, elle ouvre, elle ferme, mais elle démarre pas, elle s'est décodée. Il y a un truc qui casse là. Alors, elle voulait démarrer, mais là, elle n'a pas fait parce que le code, il était en lecture déjà. Regardez, elle ouvre et elle ferme celle-là, mais elle marche pas. Mais celle-là, elle est codée. Mais par contre, la batterie, elle est naze, donc elle ferme pas. Nulle ouverture. Tout simple et tout con. Vous changez juste la clé et la voiture, elle repart à zéro. Vous achetez le code, ça vaut 5€, je crois. 5€ chez BM. Et vous achetez une nouvelle clé, vous la programmez et ça marche tout de suite. Regardez, celle-là ne marche pas. Il y en a plein qui croient que c'est le calculateur. C'est la même clé que je viens d'enlever. Regardez, elle ouvre, elle ferme. Mais celle-là, elle ne fait rien du tout. Mais par contre, elle démarre. Tout simple, tout con. Voilà.